Et ce vendredi, vous avez rendez-vous avec votre rubrique « J'irai rouler chez vous ». On parle écho du vélo dans ce nouveau numéro et on se retrouve juste après. La filière vélo est en pleine croissance en France et notre région est en tête de peloton avec des entreprises qui innovent et qui créent des emplois. Ce vélo, le vélo sur lequel je roule, a été fabriqué ici même à Beaumont, dans les ateliers des cycles Victoire. On ira rouler tout à l'heure avec son fondateur. Mais tout de suite, on file en Haute-Loire où a été inventé et où est fabriqué un curieux engin à trois roues qui a trouvé son public. Il s'appelle le cyclo debout et on l'a testé pour vous. Au départ, il y a un prototype bricolé à partir de vélos de récupération. Et en 2018, c'est la consécration. C'est une vraie belle surprise. Quand je voyais ce qu'il y avait au concours Lépine, je me disais, bon, c'est bien déjà qu'on ait été sélectionné, mais je ne pensais pas gagner. Il y a des commandes qui arrivent et là, on commence à emménager dans des locaux qui sont ici l'AFPA du Puy-en-Velay et l'arrivée des premières personnes en atelier puis en commercial. Quatre salariés ont rejoint l'inventeur de ce tricycle à assistance électrique, fabriqué en Haute-Loire avec un maximum de pièces produites dans la région. On peut assurer un vrai SAV, on a des délais d'approvisionnement qui sont très très courts. À qui ça s'adresse? Notre premier marché le plus important, c'est celui de la sécurité et de la police. Les agents vont rouler autrement qu'avec des voitures, ils vont utiliser des cyclos debout. Vous le voyez en l'utilisant, le véhicule il est maniable, il se faufile de partout. On peut s'arrêter en ayant une vraie stabilité, en restant dessus et en appuyant sur l'accélérateur. On est à 25 km/h. Homologué pour rouler sur piste cyclable, le cyclo debout est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y a une fierté quand même d'avoir réussi à faire aboutir cette idée. La fierté, c'est quand on voit les véhicules dans la rue. Il y en a environ 800, donc on n'en voit pas tant que ça dans les rues parce que la France est grande, on en a aussi vendu un petit peu à l'étranger. Et vraiment, mon rêve, ma fierté, ce serait d'en voir partout, d'en voir rouler partout, oui. Ça serait bien.